Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spirit Farer. Je vous avoue que je ne sais plus trop ce qu'on faisait. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Donc, il semblerait qu'on soit le matin. Et qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, on pourrait presque améliorer notre bateau. Avec l'hymne d'Hermès, il manque beaucoup de lueur pour ça. Des lingots de fer, c'est faisable. Ajouter de la vaisselle, il manque de l'aluminium. Ici, il manque de la flamboyante, de l'aluminium, de l'ectoplasme. Donc ces choses-là, c'est un peu plus compliqué. Niveau des quêtes, Atul nous demandait un bureau. Alice nous demande un verger. Il faut qu'on a la Furugawa, je crois que c'est ça qu'on cherchait. Et chercher le musée de Suzanne. Ça, il faut qu'on améliore notre bateau. Un baril de poulet frit. Ah oui, après nous avoir demandé des côtelettes de porc, tu nous demandes un baril de poulet frit. Ça me requinquerait. Parce que la meilleure bouffe est servie en baril. Cuisiner semble difficile parfois. Mais dans ce cas, c'est assez simple. Du coup, je t'ai pas pu te nourrir. Bonjour. T'as un peu faim. Alors, qu'est-ce que t'aimes, ma chère Alice? Alice, alors à la fin, elle aime pas les stimulants, les aliments exotiques. On sait pas ce qu'elle aime plus que ça. Elle aime les desserts. Une tasse de thé, c'est du stimulant. J'aurais bien vu prendre une tasse de thé. Ça, c'est pas exotique, donc... Oh, c'est absolument délicieux! Il n'y a rien de plus rassurant qu'un bon repas à l'ancienne. Et... Donc on a trouvé. On va lui faire un câlin en passant. Voilà. D'ailleurs, vu qu'on est le matin... Ah, elle a quelque chose pour moi, mais où tu vas? J'ai cuisiné quelque chose pour l'équipage. Je te laisse distribuer le tout. Donc ça, plus vos personnages sont heureux, plus ils vont vous donner des objets. Comme là. Donc là, on est à Iwashima. Et on cherchait Furugawa. Okeshi. Non, c'est pas Toroyama que je cherche, c'est Furugawa. C'est là. Furugawa, c'est là. Donc, pour y aller à partir d'ici, on va pouvoir dire je veux aller là. Il y a plein de choses ici. Je crois qu'on n'a pas utilisé la clé que nous a donnée Alice. Ah, je peux choisir que 3. Bah, écoutez, on va choisir que 3. Ça me paraît pas mal. Alors, les autres. J'ai des planches. T'es plutôt content, t'as faim. Du coup, à l'ancienne, je te laisse ça. Et je te fais un câlin. Je vais peut-être te faire un câlin en plus. Pour que tu me donnes encore plus de planches, Atul. Merci, Atul. Alors, ma chère Astrid, on sait qu'elle aime les aliments simples. Et elle n'a pas forcément très faim, on peut lui parler. Elle a fait ça pour nous, un lingot de cuivre. J'en profite pour récupérer ça. Hop. Le bateau commence à être grand, il y a le jardin à s'occuper, on n'a pas fait le verger, il faudra qu'on regarde ce qu'il faut pour le verger. Voilà. Je vois pas d'autre spot où plonger, on y retourne.
va profiter, vu qu'on est là, pour arroser. On va remettre une graine étrange. Et on va mettre de la laitue. On en a de la laitue. Ça fera le taf. Donc on continue bien évidemment à longer la mer de débris. Mais je vois pas d'autres caisses. Donc... aller voir aussi ce qu'il nous faut pour le verger. Je sais plus si je le mets dans mes améliorations. Je vais mettre du lin. Et je mettrai peut-être du maïs aussi. Amélioration. Verger. Il me faut du fil de nébuleuse. Ah, du fil de nébuleuse. Ça veut peut-être dire... Mais tu t'es pas arrêté à Toroyama? C'est débile. Je peux annuler mon trajet du coup? Non, je veux rien. Je t'ai nourri déjà, Alice. Tout va bien. J'entends mon mouton qui bêle. Aurait-il faim? Ah bah oui, mon mouton a faim. Voilà, ça va mieux. Ah, il se meurt, il sort. Enfin. Elle a faim. On lui a fait une salade de champignons. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a. Peux-tu ressentir les effets détoxifiants d'une salade fraîche, Stella? J'adore. Et on va également lui faire un câlin. Parce que ça coûte rien de faire des câlins. Donc oui, l'objectif n'était pas ici, mais profiter pour ramasser un peu de ressources, surtout qu'on a la clé et qu'il me semble qu'on n'est pas... Ah bah déjà, pour faire ça, on va pouvoir récupérer un mouton, ce qui veut dire que je vais devoir faire un autre corral à mouton, déjà. Il me semble qu'on n'a pas ouvert ici. Voilà. Alice nous avait donné la clé, mais on n'avait pas était jusque là. Et en plus, on voit que notre amie Astrid va être contente parce qu'elle va pouvoir miner un petit peu. Contrairement à moi qui n'arrive pas à miner. Hein. Voilà. Elle ramasse du minerai et normalement ça devrait aussi l'aider à aller mieux. Je lui ai pas fait de câlin à elle. Elle en avait besoin. Du coup, elle va déjà un peu mieux. On prend de l'élan. Ça veut pas. On sait qu'on peut le faire, pourtant. Tant pis. L'objectif, c'était juste de ramasser un peu de matériaux.
un petit peu de charbon, c'est parfait. Et ici, c'est là où on était venu avec Summer. Donc on sait qu'il reste des choses, c'est pas grave. Ah, il y avait un coffre ici, c'est parfait. Et on va récupérer ce mouton du coup. Avant de s'en aller. Bonjour mouton. Je te nourris. Parce que je sais que si je te nourris, tu vas venir avec moi. Et je te récupère. Parfait. On a un mouton de plus. Donc il nous faudra un corral à mouton de plus. Mais... c'est pas très grave. Ah, il y a Francis. Profitez de Francis. Alors Francis a une nouvelle course. Alors, lingot de cuivre, lingot de fer, du charbon, une carte au trésor. Faudrait qu'on en achète une fois. J'ai toujours pas réussi à avoir de semences, ok. Tissu de nébuleuse, on va travailler. Grain de théier, j'en ai suffisamment. Graine de laitue, j'en ai suffisamment. Et ça, on va rien faire. Par contre, je vais vendre mes cochonneries. Des vieux tapis, des anneaux précieux, des bols de céramique. Comme d'habitude. Ah, bah j'en ai pas tant que ça. Des petites coquilles, je vais peut-être pas les vendre. Qu'est-ce qu'il a acheté? Bah, nos cochonneries, une graine. Je pense qu'on en a pas mal encore des... Tiens, toi je t'ai pas ouvert. Ah, j'ai déjà un message dans une bouteille, on va ouvrir ça tout à l'heure. J'ai pas ouvert mon colis Bouffourama, ah là là. Je voulais regarder les... Oui, j'ai 61 bouteilles. Ça le fera. Mais c'est déjà la nuit. Va-t-on réussir à aller... comme ça avant le matin? Je suis pas très optimiste. Alors, mon mouton doit être en train de faire nawak. Le mouton est là, c'est parfait. On va regarder un peu ce qu'on peut faire. Alors, pour notre corral à mouton, il nous faut énormément de planches de chêne et énormément de lingots de cuivre. Mais ça devrait être faisable. Le verger, il faut du fil de nébuleuse. On y va. Et ici, pareil, il faut du tissu de nébuleuse. Donc, on verra ça plus tard. Je sais pas si j'ai le personnage qu'il me faut pour récolter le tissu de nébuleuse. Et on a dit qu'on voulait ouvrir ce message dans cette bouteille avant qu'on oublie. Alors, on a dit qu'on a un colis Bouffourama, du porc et un œuf, avec une recette œuf et bacon. Une autre semaine, un autre colis de Madison chez Bouffora. Cette semaine, nous avons décidé que ta journée commencera du bon pied. Un peu de porc se mérite avec quelques œufs. Un bon vieux petit déjeuner à l'ancienne qui a du chien. Bonne semaine. Et on a un message dans une bouteille, on va l'ouvrir. À l'aide, je suis perdu en mer. Avec un peu de chance, cette bouteille te retrouvera ton ami. Voici mes coordonnées. 58, moins 11. Ah! C'était Alice ce que je voulais. Oh, tu es fatigué, n'est-ce pas? Évidemment que ton enfant épuise. Nous pourrions jouer un peu avec eux et te laisser te reposer. Qu'en penses-tu, Stella? Ouais. Comme nous aurons du plaisir. Je jouais toujours à ce jeu avec mes petits-enfants. Attrape-les et rapporte-les à les mamans. Et donc, on va pouvoir jouer à ce petit event de nébuleuse.
Il faut les rapporter. Hein. Pour que ça marche, il faut les rapporter. J'en ai un là. Assez haut. Peut-être pas une bonne idée de mettre mon jardin de ce côté-là. Descends, descends. Il reste un là. Et ça a l'air d'être fini. Ouais, je vais peut-être changer façon de faire, parce que ça me fait un grand gap que je peux sauter, mais... pas forcément très trivial. On va peut-être changer ça. Alors on a dit notre corral à moutons. Donc j'y pense. Il faut pas oublier ça. Du coup, on a un message à l'aide. Notre corral à moutons. Il nous faut encore 16 planches de chêne et 5 lingots de cuir. Donc il nous faut des planches de chêne. Il nous en faut 16. Si je me débrouille pas trop mal, 8, ça devrait pouvoir nous en faire 16. Ça va même nous faire plus que 16, ça a l'air de plutôt pas mal. Se gérer même là avec seulement deux planches. J'ai fait quelques bons jets au début. Voilà, c'est suffisant. Et on a dit des lingots de cuivre, si je ne m'abuse. Les lingots de cuivre. Et le fil de nébuleuse, on va pouvoir le tisser du coup. Donc il nous faut 5 lingots de cuivre. J'espère qu'il reste assez de charbon. Je pense que je vais aller en refaire avec la sciure de bois. Ça, on va arrêter d'avoir notre mouton qui se balade n'importe comment. Ça devrait être bon. Plus qu'à attendre. Alors, j'ai honnêtement hâte d'avoir l'amélioration qui va nous permettre d'avoir plus que 5 lingots. D'ailleurs, je vais vérifier, mais il semble pas qu'on ait eu le plan. C'est pas modifier qu'il faut faire, c'est améliorer. Non, on n'a pas le plan, c'est ce que je pense. Donc, par contre, j'étais au bon endroit. Non, je vais aller déjà faire mon fil de nébuleuse, qu'il me faut pour je sais plus quoi. Voilà. J'ai enfilé genre 7. Ça en fait déjà pas mal. Voilà, on va pouvoir gérer du coup un second corral à moutons. Pour mettre notre second mouton. Je pense que je réorganiserai tout ça en off. On a besoin d'un verger. On va mettre là. Place là. Pas la place là. On va le mettre là.
Voilà. Le moulin, pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Il manque du marbre et du lingot d'aluminium. Et tout ça, on a déjà fait. Tout ça, on a déjà fait. Et ici, il faudrait du tissu de nébuleuse. C'est vrai que le souffleur, ça pourrait être bien. C'est du... Je vais pas dire cosmétique, mais un peu. Mais en tout cas, c'est cool. Alors, j'ai dit qu'on faisait... Alors, on va peut-être cuisiner pour de vrai. Hein, c'est-à-dire, je mets un œuf. Et je mets un poireau. Essayer de faire une recette. Pour y aller, je vois qu'on n'avance pas. J'en profite pour récupérer ces petites choses. On n'avance pas, mais on est peut-être arrivé, tout simplement. Serait-on arrivé, vu le spectacle qu'on a derrière nous? Ah, non, je voulais sonner la cloche. C'est l'heure de sonner la cloche. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ici? Il faut qu'on parle à Alice, il faut qu'on parle à Astrid. Effectivement, on voit. Jetons un œil aux alentours. C'est drôle. Est-ce que son parfum que je sens? Ce mélange particulier de musc et de nonchalance. Il doit être passé par ici il y a peu de temps. Vite, Pitchounette, posons la question autour de nous. Giovanni, ce nom ne se prononce pas. Il a presque brisé mon mariage. Il est venu ici il y a un mois, un mâle alpha, en pensant qu'il était le chef. Au moins, ma femme a repris ses esprits. Il paraît qu'il n'appréciait pas la météo. Bon départ. Où est mon frère? Il devrait être ici. Intéressant. Donc lui... On n'a pas encore réussi sa quête. Quoi? Les chèvres? L'air rare, mon garçon! Ah oui, c'est vrai que elle, on avait dit... Son fils nous avait dit qu'il fallait dire à sa mère que... il voulait aller élever des chèvres. J'avais complètement oublié. C'est du secondaire, hein, c'est pas très grave. Quel dommage! Désolé, Stella, je... Oh, tant pis. Assez, c'est assez. J'ai fini de perdre mon temps ici. Je ne chercherai plus ce voyou. Je n'ai pas besoin de lui pour être heureuse. Je n'ai pas besoin d'entendre toujours ses stupides blagues et son bavardage incessant. Je n'ai plus besoin de suffoquer à cause de son parfum floral. Je n'ai pas besoin qu'il me présente toujours à coup d'éloge. Je n'ai pas besoin de voir sa crinière flamboyante. Je ne... Je... Allons, retournons à bord du bateau, Pitchounette. Voilà donc. Des choses intéressantes. J'entends Francis, mais j'ai rien à lui donner. On a fait une salade aux œufs. Alors, je pense que c'est pas mal, mais je pense qu'en tant que salade, elle ne va malheureusement pas intéresser notre ami Summer. On va voir, hein, mais vu qu'il y a des œufs, j'ai quelques doutes. On a reçu une lettre d'Olga. On peut te parler. Ce bâtiment a besoin de travaux. Je suis toujours partant pour un peu de do it yourself. J'espère que les autres apprécieront. Bah, ils aiment pas trop ton tapage, mon gars, mais on va pas te le dire. J'ai rien à te vendre, je crois. Non, j'ai rien à te vendre. Donc on va lire la lettre. Parler à Alice avec son verger. Exactement comme je m'en rappelais.
Oh Stella, tu as construit un verger. Il ressemble beaucoup à celui que mon mari a construit. As-tu vu tous ces petits détails? Oui, mon mari était tout un menuisier. Jusqu'à ce que ses mains ne l'abandonnent. Nous avons planté notre premier à la naissance de notre fille aînée. Tu devrais aussi planter un arbre. Bien sûr, cela prendrait plusieurs années avant de cueillir le premier fruit. Mais lorsqu'il grandira, cela te rendra fier et il t'accompagnera toute ta vie. Mais écoute-moi, radoter encore. Je ne serai plus dans tes pattes. Eh ben, on va pouvoir planter des choses. Donc je peux planter des pommes. Je vais planter un pommier. Et je vais planter un cerisier. Alors je sais plus s'il faut arroser. De manière logique, il faut arroser. Et on va rien planter d'autre. On va attendre d'avoir d'autres fruits. Et on va lire cette lettre avec Astrid. Tu n'aurais pas un petit quelque chose à manger? Bah si, si, on peut donner quelque chose à manger. Les gens simples aiment les plats simples. Je dis toujours, les plats simples font de délicieux repas. Tu peux me citer. Parfait, bah lisons cette lettre. Ah, Astrid. Astrid, de grandes nouvelles. Tu seras heureuse de savoir que mes sources se sont finalement avérées utiles. Apparemment, ma sœur Macha sait quelque chose à propos des allées et venues de ton mari. Tu devrais la questionner. Signé Olga. Descends. Je peux pas lui parler. Ah non, elle va sans doute aller se mettre par là. Alors, on sait qu'on a une lettre. Celle-ci. 58-11. C'est où 58-11 sur la carte? Alors, 58. C'est tout par là. Et moins 11. Ça va être tout par là. On peut peut-être y aller. On pourra se téléporter, mais on peut peut-être y aller. Donc il reste un coffre, visiblement, que j'ai pas chopé. C'est pas très grave. Là, c'est un dragon de quartz. On cherche un dragon de cristal, hein, on n'oublie pas. Il faudra peut-être aller, par exemple, ici, découvrir la zone. Je vais nous... vous emmener vers Alex. Stella! Non, c'est la cloche. C'est pas la cloche que je voulais, c'était Astrid. J'ai entendu dire que nous avions reçu une autre lettre d'Olga. Macha, tu dis? C'est sa sœur. Elle a peut-être une idée où se trouve Giovannis. Ah, ok. Bien, allons lui parler alors. Elle est, comment dire, spéciale. Elle et moi... disons que nous n'avons jamais été amis. Et Stella, merci de jouer à la messagerie. Tu es merveilleuse. Hop. Donc c'est pas mal tout ça. Alors, le bureau d'Atul. Il faut quoi pour son bureau? Oui, on est toujours coincé avec notre bureau, notre aluminium. Donc il faudra effectivement qu'on découvre des choses. Ça veut dire aussi que on doit avoir Macha quelque part sur la carte. Et là comme ça je la vois pas. Donc ça doit être dans une zone qu'on n'a pas choisie. Enfin découvert en tout cas. On va voir ce qu'on peut faire. Pourquoi ils se mettent toujours devant les portes? Voici quelques graines que j'ai achetées pour ton jardin. Et du coup, on va essayer d'aller... bah déjà, on va passer par Olga. On ira sans doute voir Albert aussi. Je me semble qu'on peut faire des améliorations. Voilà, il faut faire quelques planches de chêne et quelques tissus, mais on devrait pouvoir améliorer ça. Naviguer plus vite.
Ça, on n'a pas encore ce qu'il faut. Et ça, c'est pareil, je dois pouvoir faire les lingots de fer pour améliorer ma table à dessin. Même si pour l'instant, on est déjà, je dirais pas à court de matériaux, mais on est coincé par certains matériaux qui nous manquent. Ah, je vais planter du maïs parce que j'ai tendance à nourrir mes moutons avec le maïs. Je pourrais les nourrir avec autre chose. Ça tremble. Ça tremble parce que la manette vibre, hein, je précise. Y a aussi certaines choses, certaines sensations qui passent par la manette. Bonjour gars. Ah bah, j'ai raté mon sou. C'est parfait parce qu'il nous faut des matériaux. De chêne, c'est parfait. C'est ça qu'il nous en faut. L'érable un peu moins, il me semble. Peut-être un peu quand même. Ah, j'ai toujours autant de mal avec ramasser le minerai, mais c'est pas grave. Alors. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux planter? Je peux planter de l'ardoise, du calcaire pour en avoir un peu plus, du minerai de cuivre, du minerai de fer et de l'érable. Je planterai bien un minerai. Pour l'instant, notre rendement est pas top top à la. À la forge, je vais replanter une bûche d'érable et un petit calcaire. Il me semble qu'on a besoin du calcaire. Au pire, c'est pas grave. Stella, as-tu fini? Oui, tout à fait, j'ai fini. Oui, j'ai fini. Et on va du coup aller sur la position qu'il nous faut. Donc on a dit 58 moins 11. Donc 56, 57, 58. Moins 11. Voilà. On va essayer d'aller par là en espérant que ça soit pas pile poil sur la limite où on ne puisse pas aller. Mais on aura au moins essayé. J'ai des planches! Qui veut des planches? Je vais d'ailleurs du coup en profiter pour faire tout ce qui nous manque. Donc on a dit qu'on voulait des planches de chêne, beaucoup, du tissu de laine, beaucoup, un mouton à moutonner, et notre autre mouton qui est à Perpète les Oies. Merci pour ta laine. Notre autre mouton. T'as un peu faim, je te donne du maïs, je te tends. Merci. Non, je peux sortir. Alors, on va faire du tissu de laine, c'est ça qu'il nous faut. Tissu de laine. Pour faire du tissu de laine,
Il nous faut du fil de laine, donc on va refaire un petit peu. Théoriquement, je pourrais tout faire. Hein. Je pense que ça n'a pas grande importance. Il nous en faut pas mal, ça. Ah ! À l'aide, à l'aide. Je voulais grimper. Je peux grimper sur son truc ? Non, je peux pas grimper sur son truc. Du coup, à l'aide. Mais sérieux. Je dois devoir aller sur celui-là. Voilà. Mon radeau est brisé et j'ai perdu tout mon équipement. J'allais voir ma sœur à... Mais attends, je ne me rappelle plus où. Elle habite une belle petite ville remplie de gens. Il y a des rizières, une boutique et un gros monument. Oh, s'il te plaît, tu dois m'aider. Ma sœur pourrait te dessiner une carte ou quelque chose du genre. Vite, s'il te plaît. Je suis censé trouver sa sœur, sérieux? Elle va dans quoi? Ah, dans Broutille. Ah, sérieux, Furugawa. Furugawa, d'où on vient, bien évidemment. Eh bien, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. L'épisode est déjà très long. Et je vais sans doute passer la nuit en offre et organiser un petit peu le bateau. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!